Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de Kombongo. Dans cela, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté la bande de Kombongo, au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro, Télémanagent, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, Nandela, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Après avoir été nommé informateur, Augustin Kabuya nous informe. Média Congo a dévoilé son programme de travail hier jeudi lors de son point des presses tenues à Kinshasa. Sa mission rappelle ses médias en ligne et de prendre contact avec les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux élus de Moamba à Kinshasa ajoutent de son côté. Actualité.cd a fait savoir notamment qu'avant de faire partie de la coalition majoritaire qui sera à la manœuvre pour la sortie du gouvernement, il faudra des actes d'engagement afin de certifier l'appartenance à la majorité. Dans le même chapitre, Congo Nouveau vient avec cette question au Augustin Kabuya démontre déjà des insuffisances pour les tri hebdomadaires. Le CG de l'IDPS a signé une sortie médiatique jugée ratée par rapport à ce qui lui a été demandé de faire. Réproche à Moana Bouté informe l'opinion publique de ces médias qui confirme que par rapport aux données que Kabuya a fait part aux journalistes, certaines questions restent à soulever. Poursuivons cette revue de presse avec le journal Ouragan qui craint les pires pour Salomon Kalonda à l'issue faite au refus de la liberté provisoire demandée par ses avocats. Salomon Kalonda risque sa vie si le régime de Tshisekedi campe dans sa logique de l'éclouer au pays, là où les structures médicales n'ont pas l'outillage nécessaire pour prendre soin de ces derniers. Autre chose, la voix des sans-voix est opposée à la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC proposée par les conseils supérieurs de la défense à la place, indique Forum des As. La voix des sans-voix suggère des sanctions exemplaires contre les agents des forces de sécurité accusés de trahir contre la RDC. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC selon actualité. Point CD, des soldats sud-africains ont été tués, trois autres blessés lors des incidents survenus dans les cadres de la mission de la force régionale de la SADC. Pour la référence plus, la décision de l'Afrique du Sud de déployer des troupes en RDC pour contrer l'avancée du M23 a provoqué des remous dans la communauté internationale. Cette intervention militaire qui s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre l'Afrique et l'Occident soulève de nombreuses questions quant à ses implications géopolitiques et ses potentielles répercussions. Entre-temps, deux mercenaires roumains tués et quatre autres blessés dans les combats contre les
M23. Cette information a été livrée à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, consulté hier jeudi dans la soirée par Africa Info RDC. Dans les restes de l'actualité, c'est aussi le frais des fonctionnements et les salaires de certaines ambassades à l'étranger qui ne sont pas encore trouvées solution, selon le ministre des Affaires étrangères, qui a dans un tweet, jeudi, reconnu les arriérés des salaires de ses diplomates, non sans rassurer que les finances sont très avancées vers le solution. Pour terminer cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ces drames qui s'est produit hier, j'ai dit à Kinshasa, en voulant défier les mesures du VPM de l'intérieur, Peter Kazadi est motard tué à Gombe sur boulevard du 30 juin par un policier. Information publiée hier jeudi par Média Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité en République démocratique du Congo. Au menu de ces programmes, des questions feront l'objet de notre débat de ces jours. La première guerre d'agression, le front médiatique est-il mis en contribution? Et puis, quels sont les principaux défis du prochain gouvernement? Quelle analyse faire de ces deux questions? Mesdames, Messieurs, sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir en premier lieu Maïka Grati Diane, à qui nous disons bienvenue. Bonjour, merci cher ami pour l'invitation. Bonjour à mes co-débatteurs et à ceux qui nous suivent en cet instant. Il nous fait également l'honneur d'être là avec nous, Eric Izami, bienvenue également. Merci frère Daniel, merci aux co-débatteurs, merci aux téléspectateurs. Et j'espère que nous passerons de bons moments de débat républicain pour le compte de notre pays, la République démocratique du Congo. Et enfin, Francis Outoudi, bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup, Daniel. Merci d'avoir pensé à nous. Merci aussi à ceux qui vont suivre ce débat, qui portera mon avis essentiellement sur l'intérêt général, l'intérêt de notre pays. Je crois que, comme l'ont souhaité les amis, on va passer des bons moments de réflexion pour que le pays trouve quand même des fondements pour que ce que nous espérions tous puisse quand même y arriver. Et tout ce que nous espérons, c'est le bien-être de la population congolaise. Merci. Merci beaucoup. Avant d'entrer en détail de nos des questions, nous accordons peut-être des biscuits à vous, cher Mike Grady. Vous avez un avant-cours avant nos deux thématiques. Vous avez également la parole pour une minute. Malheureusement, les gens savent que ce n'est pas dans mes habitudes, les biscuits. Je ne fais jamais ça, mais bon, puisque vous m'accordez la parole, je peux en quelques minutes revenir sur... C'est vraiment pas un sujet comme vous le souhaiterez, mais c'est plutôt une forme d'interpellation. Depuis un certain moment, la notion de la communication dans le développement d'un État, c'est lorsque la communication sert à la mobilisation, à la compréhension, mais aussi à l'émancipation de gens. L'une des raisons qui maintient le Congolais dans le statu quo, c'est que dans les orientations communicationnelles, particulièrement institutionnelles, c'est devenu trop violent, un peu à l'image des débats publics, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de s'entrer dedans, et en fin de compte, on ne comprend plus rien. La preuve, regardez la réaction de Congolais. C'est vrai, on part sur un problème réel, par exemple l'agression de la guerre de l'Est, mais dans la réaction, généralement, ça manque d'encadrement parce qu'il y a un problème de culture et d'information dans la question. On ne peut pas attaquer l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire pour un conflit entre la RDC et le Rwanda. Ça ne s'explique pas. Malheureusement, les gens regardent de loin, ce n'est pas un fait anodin. C'est ça la culture congolaise maintenant, parce que dans l'orientation, dans la communication qui devrait être pédagogique, c'est devenu plutôt un instrument de coup bas. Aujourd'hui, quand vous parlez avec un conseiller en communication ou un directeur de communication, vous avez l'impression que c'est un militaire. L'essentiel de la communication rentre dans le contexte de crise. On est constamment dans la politique de salir le messager pour ternir son message. Là où, quand quelqu'un m'accuse faussement pour un cas de détournement ou autre chose, la meilleure chose à faire, c'est apporter par la communication des éléments de preuve, justifier que ce qu'on dit est faux. Aujourd'hui, ça sera, au lieu d'apporter cette dimension pédagogique, on ira vers la personne qui dit non, d'ailleurs, il n'y a pas à mouiller, bien à la qui. Et malheureusement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on détruit toute une culture.
Et ça, malheureusement, je vais dire aux gens, c'est parce que on a fait de la communication un reporting. La communication au-delà du journalisme. Le journalisme, c'est prendre le fait et le rapporter. Ce que vous mettez en sa disposition, il est fait. La communication dans sa dimension science, dans sa dimension métier, les institutions en ont essentiellement besoin, surtout le politique. Changer de paradigme. Aujourd'hui, le Congolais, si aujourd'hui on est encore dans la culture de chef de l'État, Talabi Soli Kambo, c'est parce que les gens ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Merci. Les gens ne savent pas qu'il y a... des départements qui gèrent l'insalubrité dans les différents coins, la gestion de catastrophes, il y a tous des départements qui font ça. Mais parce qu'on ne veut pas aller dans ça, on est trop politique. Et cette violence détruit notre débat public, ça détruit l'exigence qu'on a vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. Et finalement, ils font ce qu'ils veulent. Il peut arriver sans bilan, il engage des communicateurs qui viennent parler pour ne rien dire, en fait. Merci. Ça détruit. Merci beaucoup pour cette interpellation. Alors à vous, Pa Francis Navanko, une information qu'il voulait également partager avec nous. Merci beaucoup, Daniel. Moi, je voudrais quand même revenir sur la question de l'informateur. Ok. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le secrétaire général, d'ailleurs, aujourd'hui, honorable député, que nous tous devons quand même beaucoup de respect, n'a pas préalablement compris ce à quoi il s'est engagé, en fait. Vous vous rappelez que au moment où il a été reçu par le chef de l'État, devant la presse, il a dit qu'il devrait d'abord consulter ceux qui sont passés par là pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Je trouvais un peu ça... éloquent de sa part. Et plus grave encore, nous sommes dans un pays où on a beaucoup de problèmes à résoudre. On a la guerre à l'Est qui nous demande beaucoup d'argent. Mais on va organiser un point de presse uniquement pour expliquer aux journalistes et au monde entier le rôle d'un informateur. Dans un pays comme le nôtre, on va prendre, louer une salle très chère et gaspiller l'argent du contribuable congolais alors qu'on a des problèmes hyper importants à résoudre. Non, les gens se tapent de l'argent dans une salle climatisée tout simplement parce qu'on voudrait faire comprendre aux gens c'est quoi un informateur. Et quel est son rôle? Est-ce que il ne fallait pas, ça c'est mon avis, de la même façon qu'on a annoncé la tenue, l'organisation pour expliquer aux gens le rôle de l'informateur, il ne fallait pas prendre, est-ce que ce n'était pas important aussi, de la même façon, prendre un communiqué et détailler si vrai on estimait que les Congolais aujourd'hui ne savent pas le rôle d'un informateur? Apparemment, ça devient une fonction importante au sein de notre institution. Et donc, je trouve que c'est un peu trop. Prendre, organiser comment pour informer aux gens qu'est-ce qu'un informateur et payer aux journalistes de l'argent. Je suis journaliste, moi, je ne dis pas que c'est mal de donner aux journalistes de l'argent, non. Mon confrère Eric est ici, quand même c'est l'argent du pays, mais dans les contextes actuels, est-ce qu'il fallait organiser un peu de presse pour tout simplement expliquer le rôle d'un informateur? Et tout ça, on vous donne un calendrier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'honorable Augustin Kabuya peut vous prendre encore un mois. Que je vis. Mais est-ce que par rapport aux impératifs actuels, il faudrait nous prendre le temps tout simplement parce qu'on a nommé un informateur qui au préalable n'a pas compris son rôle. Il fallait mener de... il fallait mener des recherches. Il fallait aller vers ceux qui sont passés par là pour comprendre qu'est-ce qu'est un informateur, c'est quoi son rôle, il doit commencer par où. Je crois que ça augure le membre du gouvernement qui viendra demain, est-ce que et ça diminue de changer la situation du Congolais. Merci beaucoup, monsieur Eric Izani. À vous également, à votre avant-coup. Oui, tout de suite, moi, ce n'est vraiment pas
un biscuit comme tel, mais je voudrais revenir à nous. Nous, je dis nous particulièrement, nous journalistes, censés être capables de pouvoir éclairer notre communauté par rapport aux enjeux majeurs que représente notre pays. Le temps ne nous attend pas. Le temps, c'est notre tout premier et tout dernier ennemi. À nous tous, le mandat dure 5 ans. Dès lors que vous avez déjà été investi depuis le 20 janvier 2024, ça commence à s'égrener. Nous devons gagner en termes de temps. Et si je nous interpelle, nous journalistes, c'est parce que nous avons des difficultés, à mon avis, simplement parce que nous n'avions pas, nous journalistes, suffisamment aidé notre population à être aguerri, suffisamment formé par rapport au fonctionnement de l'État. Okay. J'ai toujours remarqué que le jour où notre population connaîtra le béaba du fonctionnement de l'État, comme ça se fait partout à travers la Terre, on aura moins de problèmes. Je ne dis pas que les Congolais ne connaissent pas comment fonctionne l'État, mais dans l'ambiance ici chez nous, tout le monde pense que c'est toujours au chef de l'État d'apporter la solution, c'est toujours à X. Alors que chacun de nous a son boulot. Tel que notre constitution est faite, la personne qui pilote la politique nationale, à qui nous devons exiger de nous apporter des solutions. In fine, c'est vrai, c'est le chef de l'État quand il reviendra pour demander peut-être l'aide de suffrage. Mais au quotidien, la personne qui gère le pays, c'est le premier ministre, chef du gouvernement. Alors, nous sommes restés plutôt dans notre ADN social en pensant que c'est papa qui apporte à manger, papa Yenza Lesili. Et c'est comme ça qu'il nous ramène à toujours dire « Ah, papa Télépsou Likambo, chef de l'État Télépsou Likambo. » Alors qu'en réalité, nous devrions exiger au premier ministre, chef du gouvernement, que non, apporter la solution à X ou Y. Donc à nous, journalistes, d'apporter toujours de l'éclairage. Quand je le dis, nous passons à la télévision maintenant, nous avons la possibilité d'être suivis par plusieurs personnes à la fois. Mais là où nous vivons au quotidien, nous rencontrons les jeunes, nous discutons avec les autres, nous échangeons avec les... etc. etc. Nous devons toujours leur apprendre le béaba du fonctionnement d'un État. Voilà. Merci beaucoup. La première question de ces débats, c'est guerre d'agression, les fronts médiatiques est-ils mis en contribution? On a tendance à la guerre est beaucoup plus médiatique, réseaux sociaux, qui est la réalité sur terrain. Vous êtes des journalistes. Déjà, je voudrais accorder la parole à Monsieur Mac. Votre lecture par rapport à la compréhension d'abord de cette question. On veut parler de la bataille communicationnelle sur la question de la guerre de l'Est. Mais écoutez, il y a plusieurs fronts, il faut le dire. Je crois que ce qui s'est fait en interne, oui, on utilise les approches et les outils communicationnels, mais en interne, on est beaucoup plus dans l'orientation mobilisation. Oui. À ces niveaux-là, il faut reconnaître qu'il y a... il y a une bonne mobilisation en interne aujourd'hui. On a été aidé aussi par le sport roi. Le football a amplifié le message sur la question de la guerre de l'Est. Le fait que le joueur l'ont brandi, l'ont passé un message. Vous voyez, l'effet domino a entraîné même les décideurs qui devraient prendre des décisions. Se sont permis de tomber dans ce jeu-là. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas le droit. Ils ont le droit de faire autre chose que ce qu'ils ont fait là. C'est un peu comme dans l'administration publique. Un directeur ne grève pas. C'est ça la réalité de choses. Mais dans ils le fond, ce que... qui est même en Ukraine, on l'a vu, le président mettre la main sur la poitrine, question d'être en contact personnel avec la population. Vous savez, ça dérange. On est dans deux contextes différents. La question de la guerre de l'Ukraine, dans son format, dans sa réalité, est complètement différente de la guerre en République démocratique du Congo. Chez nous, c'est une situation différente. Et même dans les politiques des communications. Sinon, à la limite, que le chef de l'État cesse d'être dans son bureau, qu'il soit constamment sur le plateau de télé, en train de faire la théâtralisation comme Zelensky. Vous rendez compte, on est dans des dimensions très différentes. Ça veut dire que dans l'approche communicationnelle, on doit changer. Maintenant, sur la question de est-ce que le front médiatique est suffisamment engagé? Au-delà de la dimension mobilisation dont j'ai évoqué, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé de front, en interne, c'est la mobilisation parce que c'est une question qui nous concerne tous. Mais cette communication, la bataille se joue au niveau de l'opinion internationale. La question, c'est qu'arrivant à ces niveaux-là, quels sont les moyens mis en place pour gagner l'espace et faire en sorte que cette question, le prisme que le monde a sur la question de la guerre de l'Est puisse changer. Il n'y en a vraiment pas. On s'en contente ici de temps en temps. On préfère attendre quelques 2-3 coups de RFI, d'appel sur l'actualité pour faire une petite communication. Ce n'est pas ça. Quand vous parlez maintenant de la question de l'Ukraine, c'est là où je vous dis que quand vous regardez, aujourd'hui, regardez seulement dans l'orientation communicationnelle l'interview du youtubeur américain sur la vraie réalité de l'évolution diplomatique dans la guerre russo-ukrainienne. Voilà qu'aujourd'hui, juste la nation
américaine est allée jusqu'à menacer un journaliste de ne pas aller parce que dans la communication, il y a une dimension diplomatique à ces niveaux-là. Il y a des vérités qu'on ne voulait pas mettre à la place publique. Par exemple, le fait que la Russie est déjà prête à faire des concessions de compromis, mais les États-Unis ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont servis de cette réalité, voyant la Russie en train d'être affaiblie. C'est une occasion pour eux, pour essayer d'asseoir une forme d'hégémonie et affaiblir davantage cet État-là. Ils se servent, ça dit, c'est devenu double front. Au-delà de la guerre qu'ils mènent pour préserver l'Ukraine, c'est devenu aussi une guerre de positionnement. Dans cette période où le rapport de force change un peu sur l'espace international, ils se sont servis de ça pour mettre en exergue les faiblesses de la Russie et affaiblir le pouvoir de Poutine parce que nous connaissons tous quels sont les visées. C'est dans les politiques de communication très réfléchies qu'on peut avoir ces genres d'orientation et d'organisation. Or, chez nous ici, au-delà de ça, c'est ce qui fait que quand quelqu'un veut s'attaquer à cette approche, le seul élément de langage qui peut être facilement, c'est dit, vous vous plaignez beaucoup. En fait, cette communication, j'ai envie de dire émotionnelle, tend souvent vers des plaintes ou encore une forme de victimisation. Or, c'est vrai, nous, on doit se victimiser aujourd'hui pour changer un peu le regard des gens sur cette situation. Mais après, il faudra qu'on évolue dans autre chose. Le Congo a besoin aujourd'hui de mettre à la place publique la vraie réalité de, cette situation. Aujourd'hui, combien de gens de l'extérieur maîtrise le chiffre exact de morts depuis les débuts de cette guerre-là. J'ai vu le ministre de la Communication prendre cette idée que je l'avais depuis longtemps, le livre blanc sur la question de la guerre de l'Est. C'est une très bonne idée, mais malheureusement qu'ils n'ont pas très bien exécuté. Ça devait être un levier important dans la communication pour que le monde voie un peu. Donner une approche anxiogène dans cette communication pour attirer l'attention du monde et voir réellement que c'est désastre. Mais malheureusement, derrière ça, dans les questions politiques, c'est vrai, il y a des orientations où le Congo a besoin pour arriver au bout de cette guerre-là. C'est vrai que je suis partisan de ceux qui pensent que la solution militaire est pour nous un levier. Mais au-delà de la solution militaire, ce n'est qu'un premier pas. Après, il y a beaucoup d'autres orientations qu'il faut prendre pour venir à bout de cette guerre-là. Mais sinon, si vous voulez, dans le sens global, la guerre médiatique, on n'en fait pas assez, il n'y en a pas. La mobilisation interne commence à prendre du pas, oui, mais médiatique sur l'opinion publique, jusqu'à là, rien de sérieux n'a été fait. Merci beaucoup. Alors, cher Français, comment vous analysez également cette situation? Merci beaucoup, cher Daniel. Moi, je reste un peu dubitatif quant à la communication, par rapport à la situation de l'agression rwandaise. La première des choses, est-ce que vous savez, en communication, il faut d'abord toujours tenir compte du contexte. Très bien. Okay. D'abord, avant de communiquer sur quelque chose, par exemple sur l'agression rwandaise, il faudrait d'abord qu'on comprenne que on ne peut pas, une fois s'est trompé sur les contextes, je crois que le reste, on perd directement. Ici, vous allez remarquer avec moi, par exemple, sur le Twitter, qui est un instrument de communication aussi aujourd'hui très important. Les gens, d'ailleurs le confrère l'a dit, sont dans une sorte de communication émotionnelle, dans les insultes. Quand vous regardez le message au fond, il n'y a rien. Au lieu d'étaler les éléments importants de l'agression, les conséquences, il faut s'atteler sur les conséquences de cette agression au niveau de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous on fait chez nous? On est dans... Oh oui, il est vrai, il est important de le rappeler que nous sommes agressés. Et c'est nous qui subissons à ce moment ici cette guerre. Il est très important qu'on se victimise. C'est bon. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau de victimisation. On se victimise en donnant des détails sur l'agression. Il ne faut pas rester sur le superficiel. Et en réalité, ce que nous faisons chez nous, au Congo, sur le plan de la communication, nous sommes superficiels. Nous ne voulons pas entrer dans le détail pour montrer au monde entier que... C'est aussi un problème pour nous qui sommes aussi journalistes. C'était d'ailleurs une question. C'est très important. C'est très important. Je parlais du contexte. Et un autre élément très important, c'est l'objet de cette communication. Parfois, moi, je trouve qu'on est en train de commettre certaines erreurs dans notre manière de communiquer face à cette situation
quand on se focalise seulement sur le Rwanda. Vous savez aujourd'hui, par rapport à cet objet communicationnel, vous savez aujourd'hui que ce n'est pas le Rwanda, le Congo ne fait pas face seulement au Rwanda. Le Rwanda a des alliés, parfois, qui font les yeux doux à la République démocratique du Congo, au regard de la richesse de ce pays. Mais moi, je voudrais peut-être proposer qu'on sorte un peu de cette logique de vouloir toujours attaquer le Rwanda, mais aussi regarder qui sont derrière le Rwanda, et puis ressortir les éléments de cette coalition qui tente à déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est très important. Aussi au niveau interne, par rapport aux dirigeants, parce qu'on ne peut pas quand même les exempter d'emblée, non. Ils ont une responsabilité. Autant je l'ai dit ici qu'en tant que journaliste, nous sommes superficiels dans nos analyses, dans notre façon de communiquer. Autant je dois aussi tourner un regard critique vers nos dirigeants. Regardez un peu. Notre ami a dit qu'ils ont tout à fait le droit de se plaindre. Non, ils n'en ont pas le droit. Un directeur ne se plaint pas. Voilà. De faire autre chose. Ils ont le droit d'agir que de se plaindre. Je reviens sur ce qu'il a dit. Mais je me dis, vous êtes parent, vous êtes responsable de la maison généralement. Quand vous êtes papa, on sait que il y a quelque chose qui s'est passé à votre absence. Les solutions peuvent venir de vous. Du moment où on attend les solutions des responsables, des papas, qui est garant du fonctionnement de la maison, et parfois on attend, même s'il n'était pas à la maison, on doit l'attendre pour qu'il décide. Du coup, on trouve papa se plaindre comme les enfants de la maison. Le geste qui a été fait par nos joueurs, un geste salutaire. Le dernier qui a défié Paul Kagame dans sa chambre. C'est un geste important. Mais est-ce que ce haut dirigeant congolais de rentrer, c'est un élément de communication, mais que j'ai trouvé hors contexte, inapproprié pour nos dirigeants. Parce que c'est un découragement pour le petit peuple, pour une maman au coin de l'avenue qui vend le pain, qui se dit, mais tous, on devient plétif. Mais à qui est-ce qu'on va aller se plaindre finalement? Donc ici, il y a lieu de revoir notre façon de communiquer en prenant en compte les éléments qu'on est en train de ressortir ici. Parce que on a, j'ai vu il y a 2-3 jours, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me disait l'obito Kende Liboso y a ambassade. C'est important, c'est un message, oui. Une pression également. C'est une pression. Mais au-delà de se présenter devant ces ambassades, est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on imagine, qu'on soit un peu plus imaginatif pour aller au-delà de ce que nous pensons en allant simplement brûler le punais devant les ambassades, bien que c'est un message important. Mais on sait tous aujourd'hui que le Rwanda, par exemple, le président polonais, qui a déclaré ouvertement que son pays porterait son soutien au Rwanda. Mais aujourd'hui, je crois que jusqu'à la minute, jusqu'à la preuve du contraire, notre ambassadeur reste là-bas et qu'il n'y a eu aucune communication sur ça. Le gouvernement ne s'est jamais prononcé. Ça nous laisse dans une situation où on ne sait pas est-ce qu'on a la volonté de vouloir changer ou on a une détermination d'affronter l'ennemi. C'est très important. Cher Eric, vous également, comment analysez-vous cette question de ces fronts médiatiques que M. Diane et M. Otoudi pensent que la question est beaucoup sur l'objet de notre communication qui fait problème? Moi, je voudrais tout de suite saluer l'inventivité, la bravoure et la dextérité du ministre de la communication actuel, Patrick Muyaya Katembo, qui
pour moi, je pense qu'il est vraiment dans son élément. La communication est suffisamment mise à contribution, mais le vrai problème chez nous, c'est que le chef pense devrait être également épousé par la base. Or, il y a cassure maintenant. Pourquoi y a-t-il cassure? Parce que dans notre manière de fonctionner, généralement, on ne s'accepte pas. C'est seulement maintenant que l'on a été un peu obligé par devant nos amis footballeurs qui ont crié haut et fort sur Abidjan et Yamoussoukro et partout là-bas. Ouais. Et puis, on a réussi, tant soit peu, à ramener cette cohésion, cet élan sur le terrain politique, ce qui a donné une bonne mayonnaise et puis on peut aller. Mais seulement, est-ce Mouya Yassé qui fait? Les autres le font déjà pour faire perdurer cela. Déjà dans notre manière de faire le programme, par exemple, de notre télévision nationale ou de notre radio nationale, on devrait faire remarquer dans la manière de programmer les types d'émissions que nous sommes agressés, que nous sommes en guerre. Lui, Mouya, il donne l'impulsion. Encore faut-il que les autres puissent suivre et puis que nous tous puissions. Moi, je dis que c'est notre responsabilité à nous tous. La communication devrait aller encore davantage. Parce que ce qui est fait, ce n'est pas mauvais, mais nous devons encore aller plus loin parce que simplement, nous ne sommes pas, ça c'est notre défaut, un peuple planificateur. Alors que le Rwanda que nous devons combattre, même si c'est seulement l'arbre qui cache la forêt, nous devons combattre et le Rwanda et ceux qui sont derrière le Rwanda. Mais on commence par le Rwanda qui est visible parce que c'est ostensible que c'est lui qui nous fait la guerre. Et ils sont planificateurs. Ils ont commencé à penser comment nous mettre à genoux depuis des décennies. C'est nous qui étions dans la poche, vivant en frère. Franz Fanon disait, l'Afrique a la forme d'un revolver, la gâchette et tout, au Zaïre. Ça, c'est notre style. Depuis Mobutu, Madame la First Lady d'antan, heureusement qu'elle est vivante, Maman Bobila Dawa nous a révélé, chez notre aîné Christian Lusako, nous Top Congo, Maman Bobila Dawa a dit, Mobutu ne dormait que 2 heures chaque jour que Dieu fait. Avant qu'il n'aille au lit de minuit à 2 heures, avant qu'il n'aille au lit avant minuit, il appelait chacun des 9 chefs d'État de nos pays limitrophes pour avoir la situation. Il était dans une approche, on est frère. Et je crois que c'était un peu aussi l'approche qu'avait voulu mettre en place le président Tshisekedi quand il est arrivé. Et c'est aussi peut-être l'approche qu'avait Joseph Kabila Kabangui. C'est-à-dire on peut vivre en harmonie, en étant de voisins et tout ça. Mais malheureusement, on a remarqué qu'eux, ils n'ont pas ces schémas-là. Les gens qui sont en face de nous. Et leur schéma, c'est quoi? Mettons à genoux le Congo pour le piller, pour le martyriser. Voilà. Vous voyez, c'est ce qui fait que la communication chez nous, lorsque, par exemple, le gouvernement dit « Ah ben, nous devons davantage communiquer », la population « Ah non, vous, quand vous êtes député, vous avez 21 000. Moi, je suis enseignant, j'ai 50 $.» Déjà, cette disparité-là, ça fait que ça ne permet pas facilement à ces Congolais lambda que de pouvoir rentrer dans vraiment le vrai combat parce qu'il s'est dit « Ah ben, lorsque viendra le moment de partager les avantages de la République, vous n'allez pas nous regarder, nous, vous allez le faire entre vous. Oui. » Ça, c'est ce qui a détruit un peu notre manière de vivre. Et si vous venez dans le côté ésotérique, nous sommes des léopards. Les léopards, généralement, ils ne vivent pas en famille. Les léopards sont des animaux solitaires. Non, le léopard n'a besoin de la léoparde seulement lorsqu'il arrive le moment de la chaleur. Et le léopard tue et il mange seul. Et quand il est rassasié, il va garder la nourriture là-haut, au perché, pour que les autres n'accèdent pas. Nous avons un mauvais comportement. Et ça s'illustre même dans notre manière de vivre. C'est-à-dire, quand l'UDPS n'était pas au pouvoir, l'UDPS disait que tout ce que faisait Kabila était mauvais. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, l'UDPS se rend compte que non, mais tiens, tout n'était pas que ce que nous pensions autrefois. Mais nous ne sommes plus à cette époque-là. Je prends un exemple. Vous voyez, au début de cette mandature, la mandature passée, 2019-2023. Vous avez vu, il y a une des photos du ministre Mouyaya avec Paul Kagame. Il y a une photo que les gens souvent ont l'habitude de ressasser. Vous et moi qui sommes journalistes savons qu'une information est évolutive. Cette histoire-là est passée. Mouyaya prenant la photo avec Kagame. Il est dans l'approche édictée par le chef de l'État qui était dans l'approche de la fraternité. Nous avons des relations, produisons, je ne sais pas, de l'or, raffinons je ne sais pas quoi, pour que nous puissions gagner de part et d'autre, et puis on vit en famille. C'était l'approche de l'autre fois. Mais cette approche-là est finie. Maintenant qu'on a compris que non, c'est un ennemi qui lui ne pense que nous tuer, non mais,
Il ne faut plus jamais mettre cette photo-là de Muyaya Kagame sur la place publique. Vous pensez faire du mal à Muyaya? Non, vous faites du mal plutôt à la République, parce que lui, il était derrière celui qui donne l'impulsion du chef de l'État, le garant de la nation, celui qui peut même se confondre à l'État. Mais maintenant, c'est fini. Nous sommes dans plusieurs départements. Oui. Nous avons activé le volet diplomatique avec le ministre Lutundula, le volet militaire avec notre armée que nous saluons. Ils sont des braves, ils sont en train de faire des choses qui étonnent aussi. Malgré, on a même réussi à déboulonner cette histoire d'embargo. Nous étions sous embargo, on n'était même pas capable de pouvoir acheter des armes. Mais ils ont réussi quand même à lever le verrou. Et puis, sur le domaine judiciaire, Muyaya, notamment, ministre de la Communication, mettant toujours en contribution la communication, on a publié plusieurs fois des livres blancs qui attestent le nombre de victimes, le nombre de massacres, le nombre de violences et tout ça. Et on dépose ça au niveau des instances judiciaires, au niveau international, comme pour dire, voici ce qui se passe chez nous. Le geste, c'est là, moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Est-ce que le fait que le chef de l'État ait fait ça, ça fait qu'il cesse d'être chef de l'État? Est-ce qu'en son temps, lorsque François Hollande marchait pour décrier ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo dans Paris, est-ce que c'était le fait d'être faible? Non. Muyaya, c'est quoi son boulot? C'est celui de communiquer. Mais quand il fait ça, c'est aussi une communication. On ne peut pas lui reprocher d'avoir communiqué. Nous devons multiplier, nous devons faire la diversification de notre communication. Mais seulement, je nous appelle à nous tous à être planificateurs. Dans nos maisons, là où nous sommes, expliquons à nos enfants, nous qui sommes allés à l'école, l'enjeu que représente notre pays. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop. En réalité, c'est la transition énergétique. Quiconque aura la même mise sur les minerais qui sont à base de ça, ce sont ceux-là qui seront le plus forts. Les lithium, les cobalt, le colombo tantalique, le coltan, etc. Et tout ça se trouve dans notre sous-sol. Alors, il y en a ceux qui sont derrière le Rwanda, le multinational, qui veulent avoir la même mise sur ça. Et pour ça, nous, on a millions de fois dit, venez, on va faire des accords, vous allez exploiter officiellement, vous gagnerez, nous gagnerons aussi. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Et lorsque, moi, je suis tellement un peu dérangé, je suis un peu dérangé quand on présente certains pays comme nos amis. Je prends le cas des États-Unis. Mais les États-Unis, c'est la superpuissance. Ils ont la capacité de faire, de refuser de faire, d'empêcher de faire, faire. Ils ont toutes les capacités du monde. Ils n'ont qu'à dire au Rwanda, arrêtez de tuer les Congolais. On va aller chez les Congolais, discuter avec eux, nouer des relations, et puis on va exploiter tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi ils ne le font pas? Donc moi, je ne le prends pas pour des amis. Et là, je comprends la réalité des intérêts qui départagent les États. À nous, je nous appelle au sérieux. De collaborer, de dialoguer, c'est pas sur cette démarche. Non, dialoguer, qui n'avions-nous pas fait par rapport au dialogue? C'était l'AFDL, c'est devenu CNDP, c'est devenu, ça change de nom. Ce sont des gens qui ne sont là que pour tuer. Je ne peux pas comprendre qu'un homme puisse vivre rien que pour tuer. Merci. Et pour la Pologne, c'est comment, une quantité négligeable. La Pologne a vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Elle a été ravagée de fond en comble sous le tsar de la Russie et même sous Adolf Hitler. La Pologne ne peut pas... Monsieur France l'a dit, mais pourquoi c'est silence observé du gouvernement congolais malgré la déclaration du président polonais par rapport à son soutien? Nous sommes dans un domaine... Je comprends la position du gouvernement, même si c'est difficile à partager cela, mais nous sommes dans un domaine où c'est la sécurité. Tout n'est pas à mettre à nu sur la place publique. Tout ne se dit pas tout haut. Il y a des choses qui peuvent se faire tout bas. Sans pour autant que... que les Congolais peuvent avoir par rapport à cet État, parce que M. Diane disait que nous avons un problème avec les Rwandais, mais pourquoi attaquer l'ambassade de la Côte d'Ivoire, par exemple? C'est là où je dis nous devons être sérieux. Nos leaders doivent savoir comment communiquer, canaliser nos énergies vers le but que nous voulons atteindre. Vous et moi avons aussi ces rôles-là. Vous savez, très peu de Congolais ne connaissaient pas, faisaient quand même allusion à nos différentes contrées. Aujourd'hui, quand on dit Kanyabayonga, quand on dit Masisi, quand on dit Rutshuru, beaucoup de gens n'en parlaient pas, c'est seulement avec cette guerre ici. Nous devons apprendre à connaître d'abord c'est quoi notre pays, qu'est-ce qu'il représente par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce que ça représente par rapport aux autres, et qui faisons-nous pour, par exemple, préserver nos intérêts. Nous devons avoir cette culture-là, depuis l'enfance à la maison, à l'école, même à l'église.
On nous a bourré de pasteurs qui nous racontent leur vie ici. Pour rien. Merci. Pour rien. Merci. Alors que nous devons aller vers les enjeux. Et moi, c'est comme ça que je vois la chose. Marc, à vous également, je voudrais que vous puissiez émettre un point de vue. Nous avons tendance que le message que les Congolais sont en train de donner à l'extérieur, c'est un message genre, vous nous avez abandonnés, vous ne venez pas, vous ne nous venez pas en aide. Et la plupart de ceux qui relaient ces messages, ils sont dedans. Ben, en fait, quand ils disent on n'est pas, vous nous abandonnez, vous ne venez pas en aide, ça encore, ça relève de l'ignorance de comment fonctionnent les États, en fait. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec les gens qui se plaignent de temps en temps. J'ai toujours dit, vous n'allez pas demander au Sénégal de venir s'intégrer dans une guerre de la RDC de manière philanthropique. Les gens ne se sont peut-être pas posé la question de savoir pourquoi beaucoup de pays africains et leurs dirigeants se sont très vite prononcé sur la guerre russo-ukrainienne, parce que le rapport entre États est un rapport d'intérêt. Okay. Le Congo, aujourd'hui, j'ai toujours dit, le Congo a vocation d'être, c'est vrai, cette gâchette-là pour le développement du continent africain, mais on n'a pas encore pris conscience de notre rôle. Le leadership entre États, au niveau diplomatique, se joue de deux façons. Il y a deux types de leadership. C'est soit on s'impose par la force, un peu comme les États-Unis aujourd'hui, par sa puissance militaire, il arrive à dissuader et s'imposer, ou c'est par les intérêts d'ordre économique. Or, à ce niveau-là, le Congo a suffisamment à revendre. Puisque les États ne réfléchissent que sur base d'intérêts, le Congo est justement ce grenier qui pouvait nourrir l'ensemble du continent et par la suite faire évoluer sa politique extérieure, faire adhérer les autres dans sa cause. Et c'est alors que les autres deviendront un rempart parce que si vous voulez toucher à un État, toucher à ses intérêts. C'est un principe simple. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus, se sont presque interposés à cette guerre de la Russie et l'Ukraine parce qu'il y avait des intérêts directs derrière et que chaque État se voyait presque réduit dans sa capacité de mobilisation. Maintenant, si on veut revenir sur les éléments de détail, donc l'approche communicationnelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, moi, j'aime pas beaucoup trop taper sur le journaliste parce que j'aime être à la fois vrai et juste. S'il faut être vrai, on dira oui, ok, vous ne faites pas suffisamment, ok. Mais s'il faut être juste, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour pouvoir faire un travail de communication approfondi? C'est une question qu'il faut peut-être avoir des... Oui, mais je pose une question, par exemple, ici. Tout ce que vous pouvez avoir comme élément, c'est ce que vous voyez, soit à la limite par une communication officielle, soit ce que vous trouvez sur le média, nationaux et internationaux. C'est pas ça, c'est pas suffisant. La meilleure des choses à faire, c'est avoir le moyen de mener des enquêtes convenables. Est-ce que l'État nous facilite également la tâche? Je ne veux pas ouvrir, c'est une boîte de Pandore. Si j'ouvre ça, les journalistes vont se camponner que dans ça. Et puis vont dire, vous voyez, d'ailleurs, il a raison. Il y a eu une part de responsabilité dans les deux camps. Parce que la preuve aujourd'hui, si même nous, le monde a presque un autre regard sur la guerre russo-ukrainienne, c'est parce que un journaliste américain des surcroît, qui a décidé, un ancien Fox News, qui a décidé d'aller interviewer Poutine pour avoir la vraie version, la réalité de la guerre aujourd'hui. Pourquoi il ne veut pas négocier? Pourquoi il laisse l'affaire pourrir? Et aujourd'hui, c'est pour la seule fois que je me suis retrouvé sur TikTok convenablement et puis en train de suivre longuement. Quelque chose de très intéressant en fait. Ça veut dire que quelqu'un est allé et on s'est rendu compte que finalement, au-delà de ça, il y a des objectifs cachés. Au-delà de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas suffisamment sur le détail de la guerre. La question de... Les informations dont on... Par exemple, la question de conséquences. Les conséquences de cette guerre, c'est pour établir un biais cognitif, ça veut dire que faire adhérer les gens à cette dynamique. Mais au-delà de ça, la question, il faut aussi expliquer aux gens le pourquoi de cette guerre. Pour moi, je pense qu'il faut commencer à expliquer le pourquoi. Et quand vous mettez en exergue les conséquences, vous réussissez à faire changer le point de vue, encore le prisme de gens. Et malheureusement, pour ça, je suis désolé, si on me dit que dans la communication, les efforts sont fournis, oui, moi je sais reconnaître, les efforts sont énormément fournis, mais pas comme il se doit. En mathématiques, on dirait, le calcul est correct, mais la réponse est fausse. Parce que les éléments d'information qu'on met dans la résolution de cette équation sont fausses à la base. On fait ce qu'il faut. En fait, on ne fait pas ce qu'il faut. On fournit des efforts, on fait du mieux qu'on peut. Okay. Mais ce n'est pas suffisant pour faire ce qu'il faut, en fait. Parce que dans l'approche communicationnelle, aujourd'hui, à la limite près, quand on nous parle du paradigme dans cette communication de la guerre, on devrait d'abord avoir le premier, si vous voulez reconnaître la force d'une politique communicationnelle, la première des choses, c'est les éléments identifiants, c'est quoi?
commencer en bas par nommer cette guerre. Quand nous, on parle, on dit l'agression rwandaise. Mais quand c'est le monde qui parle, on dit la guerre de l'Est de la RDC. Oui. Ça prouve à suffisance qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Nous, on dit la guerre d'agression parce qu'on veut établir les responsabilités. Mais eux, quand ils disent la guerre de l'Est, c'est parce que dans les informations qu'ils ont, c'est une bataille congolo-congolaise. Mmh. Ceux qui gèrent ces groupes armés sont de Congolais, frustrés pour des raisons d'ordre politique. Il faudra commencer par renverser ce prérequis. Et pour ça, on a suffisamment d'éléments. Par exemple, que faisons-nous des éléments de preuve que nous, nous avons avec la présence militaire des officiers rwandais qu'on a sur place? C'est des éléments sur quoi on doit faire un matraquage, une communication officielle pour prouver suffisamment que quand les gens vous disent que c'est une bataille entre Congolais, c'est faux parce qu'il y a des éléments rwandais qui sont là. Quand il y en a, c'est parfois des vidéos alambiquées qu'on prend par l'armée, ça passera 2-3 jours, le buzz ne dure que 48 heures, après ça passe. Et quand on vient le rapport, les images parlent plus que le rapport et le texte. Voilà. Ça c'est la première des choses, rien que dans la question de la forme qu'on donne à cette communication-là. Et dans le fond, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la manière dont on va. Et ce qui fait que la plupart des éléments, la plupart des biceps qu'on monte dans l'approche communicationnelle restent en interne. En interne, on n'a pas de problème. Nous, on a déjà compris. Merci. Mais arriver juste au Gabon, parler de la question de l'Est, quel est le prisme qu'ils ont sur cette réalité, vous verrez que c'est deux mondes différents. Parce que là où ils sont, pendant que vous faites ça, la communication à la fois institutionnelle, à la fois le marketing que le Rwanda fait, je vais aller un peu plus loin, je fais rire le gens, que dans son marketing, dans la dimension mobilisation, sur l'attraction du Rwanda, on a utilisé le football. Le Rwanda sponsorise, Arsenal sponsorise PSG. Ça dit, dans le contrat de sponsoring, à chaque fois, il y a des visites qu'on organise pour faire de ces gens-là des ambassadeurs. Mais quand les Parisiens, le joueur parisien sont arrivés ici, le Ramos et les autres, les parcs qu'ils sont allés visiter, ce n'était pas au Rwanda. Okay. On fait voir les terres congolaises, mais quand eux partent, ils vont vanter, non, c'était une faune exceptionnelle. Les collines de Massis. Pourtant, ce n'est pas le Rwanda. Maintenant, imaginez que si c'est cet ambassadeur-là qui rencontre ce qu'est le Rwanda, le jour où il tombe sur une information, on lui dit qu'il y a eu une bataille à Massisi et puis il y a eu des militaires rwandais, il trouve normal. Parce que dans son entendement, cet espace-là est rwandais. Ouais. Vous comprenez? Et au-delà de ça, quand vous arrivez, je le dis, il suffit d'arriver au Cameroun. Quand vous parlez de cette guerre de l'Est, on a déjà véhiculé un message où le Congolais se plaint. C'est parfois nos frustrations politiques qui font que certains vont prendre leurs armes. Et comme on en a l'habitude, on fait porter les chapeaux aux autres. Oui, mais il n'y a pas que Nanga. J'ai toujours dit aux gens, Nanga n'était que la pointe de l'iceberg. Cette sollicitation, mais nous avant même les élections, il y en avait dans les camps politiques. Même aujourd'hui, sur de tables des officines politiques, il y a des sollicitations. Croyez-moi, il y a des sollicitations des gens pour rejoindre le groupe armé. Mais ils doivent arriver parce à dire non à ça. Parce que justement, le fait que dans l'approche mobilisation, on a beaucoup mis en exergue la responsabilité du Rwanda aujourd'hui, ça a quand même changé. Vous verrez, même le Rwanda dans sa politique communicationnelle, le Rwanda qui était peu bavard, commence à beaucoup trop parler parce qu'il sent qu'il y a un rapport de force qui est engagé, qu'il faut étouffer. Mais au-delà de ça, puisqu'on a commencé à mettre en exergue les gens dans les dire non, c'est le Rwanda, le Rwanda. Le Rwanda ne peut justifier cela devant les institutions que par le fait qu'il y a des Congolais à la tête. Il dit, un peu, vous voyez, la dernière communication, il dit, j'ai posé la question à celui qui dirige le Congo. Je lui ai dit, est-ce que le M23 est un mouvement congolais ou rwandais? À l'époque, il aurait eu la maladresse de dire, oui, c'est un mouvement congolais. Ça suffit pour asseoir une politique de communication, même devant les institutions. Dès que vous arrivez, le seul argument arrive à vous mettre KO. Et c'est ça la politique. Il faut mettre suffisamment de Congolais à la tête de ces mouvements pour brouiller le piste et justifier notre posture sur le plan international, malheureusement. Et ça, la communication doit arriver en mesure de pouvoir le démonter. C'est pourquoi il faut un plan stratégique. Il faut commencer à prendre palier par palier. Ajoutez quelque chose, comme ça on donne directement la parole par rapport au plan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ça? C'est comme je vous ai dit, il y a plusieurs fronts, il y a plusieurs angles d'attaque. Vous aurez également la parole. Dans la dimension contextuelle aujourd'hui, il faut suffisamment. Je pense que le ministre de la Communication le sait, c'est un journaliste, un excellent journaliste, la communication, il essaye de faire son travail. La première des choses à faire aujourd'hui, à l'époque, je lui révèle un secret, le régime de l'époque finançait certaines émissions.
le club de William Kalengai, quand ils arrivaient pour réfléchir, faire des propositions, c'était des émissions sponsorisées. Club 50 de JMK était une émission sponsorisée avec des thématiques bien choisies, avec une forme pédagogique sur certains éléments. Il faut aller dans des orientations comme ça, avec des thématiques bien ciblées, mais maintenant, il faut éviter l'establishment. Faut éviter de croire que quand vous faites une émission en français, ça suffit pour mobiliser. C'est pas ça. Aujourd'hui, il est prouvé à suffisance que la meilleure communication pour la grande masse, faut être dubitatif. Faut parfois prendre. Vous voyez les choses que nous on néglige dans l'approche communicationnelle. Oh, la communication info, Lingala et les autres. C'est des éléments qui nous aident à pénétrer. Trouvez dans les outils, prenez, faites un large plan. Mais l'essentiel, c'est que le message dans différentes langues atteigne les différentes bases. Mais au-delà de ça, apporter une dimension pédagogique où il faut aller à l'assaut de médias internationaux pour pouvoir communiquer suffisamment sur les autres. Les BBC et les autres. On a des Congolais dans certaines institutions qui peuvent faire le relais. Roger Moutoué à Voix de l'Amérique, mais c'est l'institution où on communique le moins sur la question de la guerre de l'Est. On fait à la limite 2, 3, 4 émissions. Ce n'est pas ça. On devrait vraiment en faire un créneau. Peupler ces médias-là. Peupler ces médias pour finalement faire changer le point de vue sur cette question de la guerre de l'Est. Cher Francis, vous avez également... Il y a beaucoup à dire sur le plan stratégique. C'est sérieusement... Allez-y. En termes de responsabilité, le message que l'on donne à l'extérieur, nous avons des amis à l'extérieur, mais quand vous parlez de la question de l'Est, mais ils pensent que les gens ne vivent plus à l'Est. Donc, c'est compliqué par rapport à cette question. Comment gérer cette communication, l'orienter avec tous les éléments possibles? Je voudrais d'abord qu'on se mette d'accord sur les faits. En tout cas, on n'a pas dit que le ministre Patrick Muyaya ne fait pas son travail. Ça, il faut que les Congolais qui vivent le sachent. Il fait son travail, il fait son job. Et il essaye quand même de remonter la pente, ce qui est une bonne chose. Mais tout ce que nous disons ici, c'est que ce n'est pas intensifié. Il ne suffit pas seulement que le ministre passe, fasse un point de presse, une conférence, un briefing, pour que la communication atteigne les différentes couches de nos populations. Voilà pourquoi notre ami est allé au-delà, même de citer, il a cité même certaines communications qu'on semble ignorer, par exemple Lingala Facile et d'autres. Ce sont des communications importantes qui, d'ailleurs, contribuent efficacement à la mobilisation générale de notre population. C'est très important. Mais il y a un élément important. Il faut dire que, il faut toujours savoir que la communication, non seulement les moyens, je vais y arriver au niveau de moyens. Ça se conçoit, ça se prépare. Il y a des éléments de langage pour chaque communication. Nous sommes, notre communication par rapport à l'agression rwandaise n'est pas organisée. Il faut qu'on se dise. Jusque-là, le ministre communique, oui, à son niveau. Mais à notre niveau, au niveau de notre population, chacun communique selon ce qu'il attend. Alors qu'il faudrait qu'il y ait des éléments, des langages, et qui peuvent bouleverser l'ennemi, l'adversaire, et donner, renverser la vapeur au niveau international. Notre ami a parlé, je crois, il a même parlé des émissions sponsorisées. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de chanter l'agression rwandaise, vous pouvez me citer dans combien d'émissions, de combien de chaînes de télévision à travers le pays où il y a des programmes conçus uniquement pour l'agression, pour démontrer, par exemple, le pourquoi, le comment et les conséquences de l'agression rwandaise. Il n'y en a pas, il n'y en a presque pas. Mais comment est-ce que vous voulez que aujourd'hui les gens adhèrent à ce que nous disons? Parce que pratiquement, il n'y a pas un problème au niveau interne. Mais maintenant, nous avons un problème. Nous cherchons comment faire adhérer la communauté internationale, bien qu'elle complice à ce que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est comment faire adhérer cette communauté internationale à ces combats-là. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on a réussi? Je pense qu'on n'a pas encore réussi parce que la communication n'est pas tracée. On a un problème d'éléments de langage. Au niveau interne même, on ne sait pas comment... moi, j'aurais voulu même au niveau de certaines chaînes, par exemple les chaînes nationales,
qu'il y ait des programmes spécifiques. Comme on les faisait pendant comme on le... la campagne électorale. Voilà. Pendant la CENI, il y a des antennes de relais uniquement pour une cause. Mais aujourd'hui, quand le ministre, par exemple, prend 30-40 minutes avec, ce n'est pas exclusif pour la question de l'Est, mais aussi avec d'autres questions, vous pensez que c'est suffisant pour que le monde entier comprenne de quoi il s'agit? Il faut des analyses approfondies. Là, vous posez des questions, alors que vous avez également des stratégies. Nous avons aussi des stratégies, nous avons des avis à émettre. Regarde un peu dans nos chaînes. Je ne parle que de ce qui est congolais. Les émissions, les éléments même d'illustration de nos émissions. Il y a des choses qui se font, des choses plus graves qui se font à l'Est que les Congolais, nous-mêmes, nous ne savons pas. Personne ne nous montre ce qui est en train de se faire à l'Est. Question de sécurité. On est dans le superficiel, on est dans le protocolaire. Moi, je voudrais qu'on entre dedans, qu'on arrive à réfléchir sérieusement, qu'on arrive à démontrer avec des images à l'appui pour que tout le monde comprenne. Parce qu'on peut dire agression, 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 mais il faut arriver à faire vivre les gens. Et c'est d'ailleurs, c'est parmi les objectifs de reportage. Moi, je voudrais qu'on fasse des reportages de terrain. Et je reviens sur l'élément de moyens. Oui. Mon ami a refusé d'aller dans ces stades-là pour éviter que tous les journalistes se rabattent sur le moyen. Mais c'est très important. Il faudrait aussi, comme au moins on est en train de mettre des moyens sur le plan militaire, je crois que c'est important aussi de mettre des moyens sur le plan des communications. Ce sont des médias étrangers qui relaient et à Kinshasa, ce sont des gens qui récupèrent. Et puis alors que nous sommes au courant. D'ailleurs. On a toutes les possibilités possibles pour avoir l'information à la source. On n'a pas toutes les possibilités possibles parce qu'il y a blocage. Aujourd'hui, quand vous voulez analyser une question qui concerne l'armée, la sécurité, vous devez faire très attention. Parce que vous analysez à 11h30, à 11h02, c'est la ANR qui vous file. Hein. Okay. Donc, on a un problème, on ne suffit qu'à des communiqués officiels. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut approfondir certaines questions, par exemple, sur le mode opérandi, par exemple, de l'armée rwandaise, qui passe par nos voisins, qui passe nos frontières, et qui atteignent même des localités stratégiques de notre pays. Donc, un schéma comme ça, vous démontrez, et parfois, on se réfère de nos confrères de l'étranger, qui deviennent pratiquement nos ressources. En termes de communication, en termes d'éléments d'information. Donc moi, je souhaiterais qu'au-delà de tout ce qu'on a fait, il y a quand même un effort qui est fourni, mais il faudrait intensifier les efforts, donner aussi des moyens aux Congolais que nous sommes, de comprendre, d'analyser, par exemple, en finançant certaines têtes passantes de notre pays, il y a des journalistes qui représentent quand même des bibliothèques pour cette question de l'Est. Okay. Et qui peuvent passer et expliquer aux gens, expliquer aux Congolais pourquoi cette guerre, quels sont les enjeux et les conséquences. C'est très important que les Congolais aujourd'hui comprennent. Il y a un média congolais qui publie une information, ça, on les prend un peu avec des doutes possibles. Mais à un moment, il faudrait aussi qu'on arrête à chercher toujours à remettre en cause nos médias. Parce que vous savez, ça blesse aussi quand les informations top secret, nous, on l'apprend seulement. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas chercher l'information, mais il y a trop de blocages et on ne nous permet pas d'avoir accès à ces informations-là. Oui, mais on laisse la voie libre aux médias internationaux. Mais je me dis, est-ce que on ne fait pas confiance à nos médias locaux? Il faut vraiment seulement les livrer au niveau des médias internationaux. On prend la dernière question. Merci, chéri, vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que les deux ont dit. Dans quelques secondes. Oui, justement, je voudrais nous conseiller à être planificateur. Un enfant de 5 ans, vous avez un certain nombre de choses à lui dire. Quand il atteint 10 ans, c'est aussi d'autres chapitres. Quand il atteint 20 ans, etc. Nous devons vivre comme ça. Moi, je déplore, je ne dis pas que tous,
Mais je déplore un peu aussi l'attitude de nos frères qui vivent à l'étranger. Ils sont en Belgique, ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis. Mais que faites-vous là-bas si réellement vous avez la fibre patriotique? Peuplez aussi les médias de l'autre côté. Comment pouvez-vous rester à faune, vous qui êtes sur le terrain? On raconte de balivernes et vous laissez faire. Vous êtes là toujours à empêcher, par exemple, nos artistes à ne pas prester, alors que lorsqu'ils viennent pour prester, c'est notre drapeau qui est flotté. Et même lorsqu'ils prestent, on leur offre des auditoires dans lesquels ils peuvent dire un mot. Par exemple, Fally Poupa va donner un concert, ou Ferrego va donner un concert, ou Kofi Olomide va donner un concert. Ce sont des auditoires qu'ils peuvent utiliser pour dire que voici, pour avoir les téléphones que vous avez, on tue nos femmes, nos soeurs, nos enfants, nos filles. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes là en Europe rien que pour critiquer. Et puis généralement, ceux qui sont nos frères qui vivent en Europe pensent être, je ne sais pas, plus intelligents que tout le monde qui est resté ici à la mère patrie. Non. Vous qui êtes là-bas, faites aussi un effort pour peupler les médias, pour dire non à l'agression. Merci. Alors, il ne faudrait pas seulement que nous soyons seuls à pouvoir combattre. Et puis, parlons des moyens. Je veux bien, nous n'avons pas suffisamment pour faire ce que nous devrions réellement faire. Mais rendons-nous compte que lorsqu'il y a, par exemple, une victoire de Léopard, nous tous nous fêtons. Nous fêtons avec quels moyens? Le moyen dont on parle ici, ça peut être aussi un moyen minime, mais qui fait quelque chose pour tweeter, pour écrire, pour faire ce que nous, vous et moi, faisons maintenant sur votre plateau, Daniel. Vous nous avez donné combien? Rien. C'est juste par la fibre patriotique, nous disons, ah, nous avons une petite part de vérité que nous pouvons aussi exposer aux autres. Ça commence par des petites attitudes comme ça, positives, et puis ça va s'agrandir. J'ai discuté il y a peu avec le DG, directeur général de l'ACP, Agence Congrès de Presse, un géant de notre métier. Le vieux Bakou Magnan. Ah ben, c'est-à-dire, il est en train de dire, Mobutu, en son temps, il avait acheté les Telex qui avaient le prix d'une Range Rover aujourd'hui, d'une Jeep Range Rover. Il en avait acheté plus de 100 pour, comme ça, équiper chacune des représentations de l'ex ASAP, qu'on appelle aujourd'hui ACP. Justement pour produire des bonnes informations fiables, comme ça la population consomme la bonne information localement. Et lorsque la population sera confrontée à des manipulations venant de l'ennemi, ah ben, la population saura faire la distinction du vrai du faux, le vrai du faux, etc. Nous devons mettre nos intelligences ensemble. Nous, ici, nous n'avons pas de moyens, mais nous sommes là. Nous sommes là pour partager cette façon de pouvoir lutter. Et à la maison, ne relayez pas ce que fait l'ennemi. Concentrons-nous sur ce que nous devrions faire, nous, dans la famille RD congolaise. Acceptons-nous les uns les autres. Ne vivons pas en chaîne de faïence. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Eric. Et les leaders, vous devez, vous aussi, leaders, veiller à ça. De tout bord, que vous soyez de gauche, de droite, je ne sais pas, du centre. Merci. Participons pour sauver la mère patrie. Quels sont les principaux défis du prochain gouvernement? C'est la dernière question. Je voudrais cette fois-ci commencer avec monsieur Francis. Quels sont les défis, les priorités que les gouvernements prochains ont à faire dans cette question? Parce que nous venons parler de l'insécurité qui ne cesse d'inquiéter les gouvernements de Kinshasa. Oui, c'est très important ce que vous venez de soulever comme, comme thématique. Mais je voudrais d'abord que nous, que notre population comprenne comment fonctionnent les institutions. Parce que avant de revenir, de rentrer sur les défis qui attendent le gouvernement qui va sortir, je ne sais pas si à l'avenue du Christ, il faudrait que les Congolais sachent comment est-ce que les choses, les institutions de notre pays fonctionnent. Parce que on doit rappeler ici. D'ailleurs, au début, peut-être notre ami savait qu'on va y revenir. C'est comme ça qu'il a anticipé pour rappeler que bien que les chefs de l'État, de par notre constitution, est le garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions, mais quant à la politique du gouvernement, il faut rappeler que c'est le Premier ministre qui endosse la pleine responsabilité. Parlons de défis. Bon, il y en a énormément. Vraiment, il y a des défis énormes que le gouvernement à venir doit quand même s'attendre. Par exemple, il faut commencer par ce que nous venions d'étaler longuement ici, le défi sécuritaire.
avec Samalou Koundé, je pense qu'il y a des efforts. Il faut toujours reconnaître qu'il y a, il y a des efforts qui sont quand même faits dans, de ce côté-là, mais qui ne sont pas toujours suffisants. Parce qu'aujourd'hui, on continue à décrier l'insécurité à l'est du pays. Aujourd'hui, quand vous dites aux Congolais qu'on a, on a la paix, bon, il faut toujours être prudent parce que vous ne savez pas dans quel état d'esprit les Congolais peuvent se retrouver à ce moment-là. Parce que quand il apprend ce qui se passe à l'est et vous lui dites qu'il y a sécurité, et il se dit, mais il se moque de qui? Donc, il y a un problème sérieux de sécurité. Nous avons suivi certains pays qui demandent à leurs ressortissants de quitter déjà Goma. Donc vous comprenez que sur les plans sécuritaires, en tout cas, le gouvernement à venir devrait quand même va devoir s'empesantir là-dessus pour donner des orientations claires, renforcer notre armée, comme on l'a toujours dit avec le gouvernement qui vient, bon, qui passe parce qu'ils sont encore en place, ils n'ont pas encore démissionné, ça me reste. Il y a des efforts qui ont été faits, mais jusque là, il n'y a pas de effets palpables sur le terrain. Parce qu'on continue à tuer. On continue à exploiter. Vous avez appris qu'il y a des militaires qui sont en train. Bon, écoutez. Ils attendent aussi les gouvernements, les deux parlements pour décider d'attaquer. Je ne voudrais pas. Je continue avec le défi. Je ne voudrais pas revenir sur les escamouches et le reste pour nous permettre de bien réfléchir parce que ça doit être. C'est oui. Terminé cette question d'escamouche. Oui, mais c'est la sécurité, ça rentre dans la sécurité. C'est le défi sécuritaire qui est un élément important aujourd'hui à relever. Le défi, un élément, accord le social des Congolais. Wow. Aujourd'hui, on va il faut qu'on se dise la vérité, c'est des mal en pire quand même. D'achat des Congolais. Bientôt 10 dollars, c'est 30 000 francs, bientôt. Donc c'est un défi important à relever par le gouvernement à venir. Aujourd'hui, je ne voudrais pas parler. Bon, il y a des efforts sur les plans sanitaires, sur l'éducation, il faut qu'on se les dise. Mais sécurité et les sociales, si on voudrait avoir des indicateurs précis du gouvernement à venir pour que les Congolais sentent quand même qu'il y a changement, il faudrait qu'on puisse sentir sur le plan sécuritaire et le plan social. Je crois que les autres peuvent prendre d'autres défis importants à relever. Cher Makadian, votre réaction ou analyse par rapport à cette question, tout ce qu'il y a comme défi qui attendent le prochain gouvernement. Je ne sais pas si l'informateur arrivera à former bien son gouvernement. Je parle de l'avenue de Messi. Je vais répondre sur cette question avec votre permission. Un petit commentaire sur le premier sujet pour rappeler aux responsables, particulièrement à ceux qui doivent piloter pour non seulement la communication, mais aussi le lobbying autour de cette question de la guerre de l'Est. Ok. Je voulais leur rappeler qu'on est dans une société où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Dès lors que quelqu'un pense que ce qu'il pense est meilleur dans sa tête, la vérité ne lui dit absolument plus rien. Il faut parfois beaucoup d'efforts pour pouvoir renverser cette tendance-là. Ce qui fait que dans cette approche-là, jusqu'alors on a beaucoup commis l'erreur de communiquer sur nous, sur soi, au lieu de parler aux autres. Okay. Il faut apprendre à parler aux autres au lieu de souvent de parler de soi. Et c'est à ces niveaux-là que la stratégie est tout autant importante pour faire en sorte que chaque communication arrive à répondre à chaque exigence et fasse le fait qu'on souhaite. Les communications de manière alambiquée et globale, vous dites des choses pêle-mêle, croyez-moi, ça ne marche pas. Et la preuve, c'est qu'on a toujours essayé jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. Et à ces niveaux ici, prenez très au sérieux cette approche-là et si vous voulez, organisez des séances, réunissez des gens qui peuvent aider, les amis, les RIC ici sont là, mon ami en face ici, ils sont là. Mettez en contribution la corporation, mais aussi mettez en contribution les experts dans la matière de communication. On répondra présent pour finalement dégager une politique cohérente qui nous permettra de gagner quelque chose d'intéressant. Sur la question des défis, je crois que le Congo est un état chantier, j'ai l'habitude de le dire. On accuse un retard de plus de 1000 ans. S'il faut citer des défis, je crois que chaque aspect du Congolais est prioritaire. Le Congo est un vaste chantier, mais je crois que de manière
globale. La grande priorité cette fois-ci, c'est avoir un gouvernement axé sur les résultats. Ça passe par deux éléments essentiels. Un gouvernement suffisamment réduit, un gouvernement des compétences. Et surtout, un projet de société cohérent. C'est les priorités. Dès qu'on résout ces priorités, l'on saura répondre aux autres priorités qui, pour moi, relèvent d'un vaste chantier qui représente la République démocratique du Congo. Tout est à refaire. Beaucoup est à refaire. Avec la course au positionnement observée ces derniers temps, vous pensez qu'il y a des hommes idéaux pour répondre ou les profils Oui. Le Congolais est devenu, c'est comme je dis la dernière fois, il est parfois très facile de juger que de penser ou de réfléchir. C'est pourquoi on a vite tendance à juger. On ne va pas reprocher à un politique qui s'est battu pendant la période électorale pour soutenir un candidat arrivé au pouvoir. On ne va pas lui reprocher de nourrir des ambitions, de devenir ministre. Ça serait maladroit de notre part. Le problème n'est pas lui, le problème c'est lui à qui on a confié la charge, c'est lui le grand manager, de définir une vision claire. Aujourd'hui, il nous parle de 6 piliers, concoctés avec une intelligence en matière économique, le professeur Moukoko Samba, je suis d'accord. Maintenant, le problème c'est choisir des gens qui vont piloter, un peu dans ce qu'on disait avant ici. C'est lui qui impulse la vision, mais ce n'est pas lui l'exécutant de sa vision. Il y a un pouvoir exécutif où lui, à part donner l'impulsion et présider ce que moi j'appelle les réunions d'évaluation, ce qu'on appelle les conseils de ministres, dans l'exercice fonctionnel, c'est les autres qui exécutent. Chaque ministre est un technicien dans son secteur, vient apporter la pierre à l'édifice. Maintenant, le problème, c'est à ces niveaux-là, c'est que faut bien choisir, c'est à lui. C'est pourquoi je vous ai dit ici, quand on regarde ces contextes-là, quelqu'un a soulevé un élément ici sur, en fait, un peu dans le sens de votre question, est-ce qu'avec la course à la bataille ici, on va voir des gens... Le Congo n'a pas un problème d'intelligence. Le Congo a plutôt un problème des citoyens, des hommes d'État. On est des gens surdiplômés, très intelligents, mais qui ne sont pas intellectuels. Pourquoi ? Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait mettre l'intelligence au profit de la collectivité. C'est quelqu'un qui sait réfléchir. Les principes de Karl Marx que vous apprenez à l'école, c'est pour avoir le base, mais savoir l'adapter au contexte. Les agrégats économiques de la RDC ne répondent pas de la même manière que les agrégats des Nations Unies ou de modèles qu'on vous a appris à l'école. Il faut être en mesure de répondre suffisamment et de manière efficace. Et c'est là où les intelligents congolais pêchent, en fait. Et je crois que les intelligences, il y en a, mais le problème, c'est ici, c'est dans le portrait robot de chaque poste. Et ça aussi, le service de renseignement doit aider le chef de l'État, parce qu'il ne faudrait pas être complaisant, il ne faut pas avoir l'habitude, et parce que quelqu'un n'a pas l'habitude de se mettre autour d'une terrasse, et beaucoup deviennent comme ça quand il veut devenir ministre. Mmh. Il va arriver pas, il ne se met plus dans la terrasse, parce que Masanga Bornomenga, et donc il se donne une image d'un saint, ce n'est pas ça ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de savoir puiser dans son passé, voyez si c'est quelqu'un qui a du répondant par rapport au poste qu'on lui donne. Il peut avoir un petit... Des antécédents judiciaires avant, mais voyez si à quelle proportion il y a, s'il est ministrable ou pas. C'est à ce niveau-là qu'on pêche, mais aujourd'hui, le grand défi du Congo maintenant, c'est d'avoir des hommes qu'il faut pour répondre au grand défi de la République démocratique du Congo. Il y a les hommes, maintenant c'est au chef de l'État de pouvoir faire des biens calibrés, et je lui suggère un peu la proposition d'Alexandre Chou et qui est devenu mien. Ne faites pas de membres du gouvernement des hommes éternels. J'aurais préféré que ça soit même pour le Parlement, qu'on aille sur des gestions basées sur les résultats. Merci. Vous êtes nommé ministre pour une année avec un job description sur le priorité. Au bout de 6 mois, on vous évalue. Au bout d'une année, si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs, on vous remplace. Vous avez dit autrefois, ça n'a jamais été le cas. Non, mais non, il parlait de l'évaluation. C'est code de bonne conduite et puis à la fin, il faut évaluer. C'est Matata qui a commencé ça avec, on cotait des ministres comme des enfants. Parfois, on le cotait sur des éléments superflus. Il n'y a pas de résultat dans le fond, mais on vous cote, on dit vous êtes meilleur. C'est pas ça. Merci. Et même les députés, je pense qu'il faut aller dans l'approche des élections anticipées. Il arrive pendant une année, après 2 ans, on organise des élections anticipées. C'est lui qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas apporter des résultats. On va juste dans la localité où il faut remplacer, on le remplace, quelqu'un d'autre prenne et on verra que les gens ne viendront pas pour faire du théâtre dans les institutions. Merci beaucoup. Alors, Eric Izami, vous avez au début aussi parlé de timing. Monsieur Francis a parlé de l'informateur qui convoque des consultations, des points de presse. Quand le formateur du gouvernement viendra, peut-être on ne sait jamais, il viendra également commencer des consultations. Le chef de l'État, jusqu'ici, n'a pas encore dit les derniers mots. Les timings par rapport aux priorités, le temps, vous l'avez dit. Le temps, c'est l'ennemi de nous tous. Ici, il y a un ami qui m'a prêté un mot. Il s'appelle Anissé Yomboranyam. Il m'a parlé de prosélisme. Prosélisme, c'est le fait, par exemple, moi je suis de la gauche,
mais je viens au pouvoir, je vais même puiser au niveau de la droite, qui n'est pas mon camp politique. Mais si je trouve des éléments capables de pouvoir nous apporter des solutions, ils viennent pour travailler pour la République. Ici, lorsque mon ami et frère Mike Galili en a parlé, tout de suite, il m'est venu à l'idée une illustration. Okay. Bon, lui, il était dans un domaine politique et très souvent, notre population ne comprend pas toujours. Il dit ici, il faudrait qu'il y ait des gens qui donnent l'impulsion, mais aussi d'autres qui vont matérialiser ce qui est promis. Prenons le cas de Papa Lutumba Simaro. Il n'avait jamais chanté. Mais lui, il écrit une chanson. Okay. Il donne à Sam Mangwana. Lui s'arrête à l'écriture de la chanson. Mais il donne à Sam Mangwana. Quand Mangwana prend, mais je te dis au télématé. Ça devrait être le cas. Monsieur le Président de la République, vous avez ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Je veux bien que vous ayez un informateur qui devienne formateur. Mais allez-y chercher des gens comme le Mukoko Samba qui a été cité là, Seleye Lagouli. Ils sont nombreux. Les mouillés ici. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devra mettre surtout la communication par le temps qui court. Il ne faudrait pas nous amener quelqu'un qui va nous vanter seulement un personnage. Non. La communication. Et nous devons petit à petit. Ils sont nombreux. Hein, j'en ai cité. Un monsieur comme Liaou, j'aurais voulu le voir être maintenu. C'est-à-dire, des gens qui travaillent bien. Un monsieur comme Julien Palou. Ah ben, c'est-à-dire, les gens que je cite là, quand je dis chercher, c'est les Yalagou Lidon. Je sais de quoi il est capable. Oh. Quand je dis Moukoko Samba, quand je dis Liaou, quand je dis Mouyaya, c'est des personnes que je connais. On va me faire peut-être des procès. Mais nous, journalistes, c'est vrai, nous sommes messieurs ordinaires. Nous avons peut-être l'avantage de côtoyer X, Y que nous connaissons. Qui est capable de quoi? Il ne faut pas seulement donner des postes aux gens parce qu'il est IDPS. Un ministère comme le ministère de l'Intérieur, non, ce n'est pas n'importe lequel ministère. Non, cherchons de personnes capables, même si ce n'est pas dans votre camp politique, allez les chercher. Parce que maintenant, il s'agit du Congo. Vous avez vu que je suis allé même jusqu'à dire à nos frères qui habitent l'Europe, vous parlez un peu beaucoup aussi. Mais on ne vous sent pas dans le média de là où vous vivez. Voilà, le combat doit être pluriel, permanent, global, perpétuel. Parce qu'il s'agit du Congo qui devra... Alors les défis, il y en a deux majoritairement. C'est la paix. Et la paix nous permettra de créer notre pain. Okay. Le jour où nous allons manger à notre satiété, le pain, nous allons penser au progrès. Ça passe par la formation. Nous ne devrions pas arrêter avec la formation. Les États-Unis sont ceux qui sont. Croyez-moi, ils n'ont pas fermé les yeux. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas fermé les bras. Ils construisent des routes jusqu'aujourd'hui, des écoles jusqu'aujourd'hui. Ils forment les soldats, les militaires jusqu'aujourd'hui. Le jour où on avait tué George Floyd, le noir, par un policier américain, blanc, c'est ce jour-là que j'avais remarqué que même les États-Unis, ils sont toujours en quête de cette démocratie. Ce n'est jamais du déjà pris. C'est toujours une quête perpétuelle. C'est une quête perpétuelle. Pareil avec le Congo. Aujourd'hui, on a manqué de planification. L'ennemi nous fait des incursions. Mais regardons-nous en face. Soyons planifiés. En 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? En 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas venir toujours avec les débats. Fachi, Kabila, Katumbi, Songolo Pakala. Je veux bien qu'on les cite parce que ce sont nos leaders. Mais encore que nous aussi puissions nous mettre la main à la pâte. Consolidons-nous. Ne divisons pas nos leaders, ne nous divisons pas non plus entre nous. Ce que nous faisons ici, toi et moi, nous n'avons pas de moyens. Nous l'avions fait pour aiguiser. Apprenons à nos enfants la géographie. Pourquoi? Parce que si j'insulte ta maman, tout de suite tu vas me faire des problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que tu connais ta maman. Quand on ne connaît pas bien le Congo, ce qu'il représente, ce qu'il est pour les autres, on ne va pas très bien le défendre. Apprenons la géographie, l'histoire de notre pays, tout ce qui nous caractérise pour que nos enfants s'approprient ce Congo-là. Et en s'appropriant ces biens que nous avons en commun, nous allons bien le protéger avec la formation. J'insiste, mais le gros défi, c'est la paix pour créer notre pain et nous penserons au progrès. Merci beaucoup. Alors, Francis, nous avons fini. Qu'est-ce qu'on retire pour aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Par rapport à la dernière thématique, je voudrais dire au président de la République, nous en avons assez avec des gens qui viennent vanter, qui viennent travailler seulement pour leurs images. Des gens qui viennent travailler pour eux. Les gens qui viennent pour construire des immeubles. Des gens qui viennent voler à la République et qui ne proposent rien pour le progrès de cette République. Je vous rappelle, je dois les rappeler à tous les Congolais. Vous devez le savoir. Félix Tshisekedi est en second mandat et constitutionnellement, il ne peut pas briguer un troisième si jamais les choses restent statiques. Et donc, il n'a pas droit à l'erreur. Autant je rappelle aux Congolais, autant c'est au président de la République que je tourne un regard très critique. Il doit être
tellement exigeant envers les regroupements et partis politiques qui vont amener de listes. On va amener leurs copines, ils viendront avec leurs enfants. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché dans un pays que quelqu'un donne un poste à sa femme, à son enfant. Non, c'est un péché. Mais seulement, écoutez, si on n'a pas la parole, il faut les profils. On a parlé du répondant par mon ami en face. Est-ce qu'il a les atouts? Voilà. Pour donner un coup de pouce à notre pays. Merci. C'est très important. Daniel, un petit détail, s'il te plaît, Francis, où tu dis. Chez nous, généralement, on commence à brandir géopolitique, ceci. Non. Oui, non. On devrait mettre les gens par rapport à leurs compétences. S'il faut que, par exemple, Nicolas Kazadi reste au pouvoir, même s'il est Louba, laissez-le s'il va bien travailler. Il ne faut pas regarder X. Non, non, nous sommes tous ici pour travailler pour le Congo. Parce qu'il faut rentrer dans les histoires des géopolitiques. On va vous faire des propositions des gens non capables, mais qui vont nous traîner ici en longueur. Inutilement, on fait perdre du temps. Et on perd en termes de temps. Je voudrais citer, placer un dernier mot. L'UDPS, c'est un grand parti politique qui a mené son combat pendant plus de 32 ans. Et un dernier mandat pareil pour l'UDPS. 37 ans. Je crois que c'est important de se poser la question après le passage de l'UDPS au pouvoir, qu'est-ce que le peuple congolais va devoir tenir. Merci beaucoup. Alors, cher Mike Dian, votre mot, peut-être pour terminer. Ben, je crois que tout ce qu'on doit retenir pour le mot de la fin, c'est, j'ai l'habitude de le dire tous les jours, le Congo est quelque chose de plus grand que nous, oui, plus grand que soi. Voilà. De lors qu'on garde à l'esprit cette réalité, tout ce qu'on fera, on fera dans le sens de l'intérêt collectif, parce que les gens ont tendance à ignorer une vérité. Parce que bon, on nous a appris ça comme ça à l'école. L'étape ultime d'un homme, c'est l'indépendance. On a été dépendant des parents, on devient indépendant. Mais la vérité, ce qu'on ne vous a pas dit, un homme responsable et sérieux, c'est un homme interdépendant. C'est lui qui sait se fondre dans la masse et constituer un corps. C'est ça la maturation de l'être humain. C'est pas l'indépendance. L'indépendance, c'est la période de transition. Mais après, il faut devenir interdépendant, capable d'associer ton intelligence à l'autre pour produire quelque chose de collectif. L'intérêt de tout un chacun se retrouve dans le bien-être collectif. Il n'y a pas de plaisir à être riche seul, c'est de la pauvreté. Merci beaucoup. Alors, dans 30 secondes, parce que nous avons fait. Aimons le Congo et travaillons pour aller de l'avant, et c'est possible. Merci beaucoup, chers messieurs, pour votre participation. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Restez branchés sur Congo Buzz Télévision. Les rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Côté d'abord est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tenir la bande de combo. Dans ce cas, il y a application sans doivent au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, il y a continué la bande de au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a un PSA, d'Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, ezali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro Télémanagion Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, Nandela, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.